إن الحمد لله tout est louange pour Allah wa salatu wa salam ala rasulillah la paix et bénédiction de celui qui n'a aucun messager après lui amma ba'd et ensuite assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh la paix pitié Allah et sa bénédiction aux autres tout pas même quelque chose qui vient comme éclaircissement. C'est la question du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça qui nous dit, Mohamed, souvent autant beaucoup de choses, nous prenons les du bien, le ban bon parole qui est ska contemporain, ban dimoun dialogue, ou bien le négatif, ban caricature, de là où trouve. Ça qui nous dit le monde musulman révolté, mais sa personne, c'est qui ça? Est-ce qu'il est simplement un arabe? Nous commençons par nous dire, lui-même, Mohammed, qui vient de prendre naissance dans Makkah, l'année 570, son papa s'appelle Abdullah, il vient de vivre dans la ville de Makkah. Avant même qu'il finisse gagne la première révélation, ben habitant de Makkah se connaît comme Al-Amin, un dimoun de confiance. Pendant n'ont rien fait jusqu'à présent avec l'islam, mais qualité qu'il tient dans lui, il finit gagne sa titre-là. Quand lui, Muhammad, peut s'assurer lui, il finit arrive l'âge de 40 ans, lance Gabriel, Jibril, alayhi salam, fin vin véli avec la première révélation et fin commence d'yali te transmettre sa message là à ta bonne famille. Il fin commence par son madame Khadija. Qu'elle soit satisfaite avec elle. Ensuite, il fin vin vers son compagnon Abou Bakr. Qu'elle soit satisfaite avec lui. Et il fin vers son cousin Ali. Radiallahu anhu. Donc, Gabriel vin véli et il fin commence ça. Puis après quelques temps, le même ange vient vers lui, dit lui, oh Muhammad, te transmettre le message à toute l'humanité. C'est pour ça qu'il trouve à plusieurs reprises, nous vient dire, que le prophète Muhammad, paix soit sur lui, n'est pas le messager du monde musulman, mais il est un messager pour toute l'humanité. Durant ce monde l'année qui vient suivre, il vient consacrer sur la vie pour témoigner le message qu'Allah vient donner lui. Le Créateur finit de nier et il finit reste un modèle parfait pour toute l'humanité. À travers son action, à travers son message qu'il peut amener, parce qu'il peut amener un message depuis celui qui nous crée nous. Il n'est pas fini de prendre sa part par lui-même. En l'année 632, quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam quitte nous y aller, il y a 63 ans. Et lui-même, dernier prophète qui finit venir. Qui fait nous préciser ça? Donc, nous, les musulmans, nous finissons la croyance dans le prophète Mohammed, paix soit sur lui, en tant que dernier messager. Le fait qu'il est le dernier avant lui finit encore. Et comme l'exemple, finit ensemble avec lui, le prophète Jésus, Risa alayhi salam, quand lui-même lui dit à nous, de tout, je suis le plus proche du fils de Marie, Jésus. Tout mon prophète, c'est mon frère. Et entre moi et Clipa, il n'y a aucun prophète qui finit venir entre nous. Donc ça pour montrer nous comment le prophète Mohammed, paix soit sur lui, définit honore, Isa alayhi salam, Jésus, comme un de ce bon frère. Qui ban bon parole, il finit amener. De toute seule histoire, au fin, il y a combien de livres il finit écrire, qui finit prendre depuis son enfance. La révélation de l'islam vers lui, ce départ, comment il saute depuis une personne qui fit vivre dans une société contre les Tipegaïman opposant, ensuite le final vers un point qui fin amène ban action, ban parole, comment nous dire, moralement sans faille. Malgré quantité opposant, les fin ena. Il tient un dimon honnête, sincère. Les petits humbles, où vous trouvez à travers un récit, où vous trouvez à travers un livre qui finit écrire concernant ça,
concernant ça, sa personne-là. Et en dernier, de nos premières parties, où vous trouvez qui concernant le prophète Mohammed, paix soit sur lui, où vous trouvez un prophète, où vous trouvez un messager, où vous trouvez un enseignant, où vous trouvez un dimoun religieux, spirituel, où vous trouvez un réformateur social, où vous trouvez un guide moral, où vous trouvez un leader, où vous trouvez un homme d'État, ça qui vous dit un président, un premier ministre. En même temps, où vous trouvez un bon camarade, où vous trouvez un bon époux, où vous trouvez un père, un papa, où vous trouvez un grand-père, où vous trouvez tout ça là dans une seule personne. C'est pour ça qu'il nous recommande pour gagner un livre qui cause la vie du prophète Mohammed, paix soit sur lui, afin qu'il nous connaisse vraiment sa personne là, c'était qui ça là. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.